bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Je suis en compagnie de l'excellentissime Fred Brodiac, qui est l'homme derrière toutes les vidéos, les montages, etc. que vous voyez déferler. C'est le mot déferler. Hein. Déferler. Déferler sur la chaîne. Et Fred, figure-toi que pour Anne Hidalgo, comme pour tous les citadins, l'arrivée d'un nouveau scooter, c'est un événement. Nous sommes donc avec le nouveau Kymco, qui a un nom chelou, DTX 360, mais c'est un 125. Et en fait, pour l'étalonner, on a pris simplement la référence de la catégorie, le Forza, parce qu'en fait, Kymco dit sur son site, ce scooter peut aller botter le cul aux références GT de la catégorie. Ouais. Et t'es pas d'accord, et c'est une nouvelle vidéo sur laquelle on n'est pas tout à fait d'accord, et ça c'est plutôt intéressant. De quoi parlons-nous? Déjà, c'est un truc typé un peu aventure. On sait que Honda va sortir le ADV 350. En tout cas, dans le look baroudeur, c'est plutôt à la mode. Le coloris kaki, machin, on aime ou on n'aime pas. Les pneus à crampons, machin, on aime ou on n'aime pas. Sur les pneus, un petit mot. Les CST, c'est des pneus chinois. Et sincèrement, même sous la pluie, là, c'est bien dégueulasse. Ça nous a plutôt séduit. Oui, effectivement. Ouais, alors effectivement. Que le Honda est en Michelin, ouais. Sécurité. Voilà. Mais franchement, tu es sur le Kymco, tu suis et tu te fais pas de frayeur. Alors évidemment, ça se voit sur leur tête. Il y en a un qui a un vrai scooter GT avec une bulle haute réglable électriquement. Ça fait toute la différence quand, comme Fred, on se tape 70 bornes par jour. C'est ça. Souvent sous la flotte, etc. Ça, on va dire que c'est un truc plus urbain, typiquement urbain, parce que tu as beaucoup moins de protection. Et déjà, ça fait toute la différence. Malgré tout, est-ce que tu lui trouves des choses positives, Fred, à ce Kymco? Oui. Ah, oui, oui. J'ai eu peur, cet éclat de rire violent. Oui. Ouais. Il y a des choses positives. C'est un petit véhicule, pour moi c'est un petit véhicule qui se faut vraiment pour la vie, ça se faufile très bien pour circuler. C'est parfait, on va dire. Il est vraiment très 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 agile. Donc ça c'est un côté positif. Ouais. Alors le coffre sur la selle, il est suffisamment spacieux pour mettre un sac à dos tranquille avec du matériel dedans. Donc c'est vraiment bien voilà, au côté positif que je vois sur ce véhicule pour l'instant. D'accord. Je m'arrête là. Ça t'arrête là? Tu n'as pas d'autres choses positives dessus? Non, parce que, comme tu dis, j'ai un usage très périurbain, donc beaucoup d'autoroutes, beaucoup de voies rapides, et honnêtement, en rentrant avec sous la flotte un vendredi soir... C'était dur. Je me suis fait peur. Quoi. Ouais. Je me suis fait peur. En plus de ça, on voit au niveau des rétroviseurs, j'ai jamais vu pire. Quoi. Autant la dernière fois sur les 125, il y avait un petit quart de visibilité derrière. Là, il n'y a rien. Même en se penchant carrément, moi, je vois rien derrière. Quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que bon, je ne suis pas taillé comme toi. Quoi. Moi, je suis un vrai bonhomme. Quoi. Je vois pas ce qu'il veut dire. Je dis la référence. Non, écoute, tu as raison. C'est vrai que notamment sur le droit, on voit vraiment son coude. Moi, sur le Honda, j'avoue que je vois aussi pas mal mes coudes. Ah non, c'est un petit peu embêtant. Avant de... Parce que là, tu es parti sur des choses assez négatives sur le Kymco et on n'est pas tout à fait d'accord. Rappelle-toi, les Kymco, comme beaucoup de scooters d'Asie du Sud-Est à un moment, tu avais déjà une ergonomie ridicule. C'est-à-dire que souvent, tu étais un peu dans un bidet. Tu avais genre la selle cambrée, les jambes et le guidon là. Ouais. Et c'était à la fois très désagréable et assez inconfortable. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand tu montes dessus, tu es sur un truc où franchement, il y a un feeling de qualité d'ensemble et d'ergonomie qui est vachement bien pensé. Un bémol là-dessus, parce que tu prends ça, tu as vu, ça bouge, tu chopes une vieille, tu l'exploses. Alors, je sais pas si tu exploses la vieille ou le protège-moi, mais en tout cas, il y en a un des deux qui va lâcher. Tu vois. Donc voilà. Autre chose, avant, en termes de suspension, les scooters taïwanais, c'était quand même franchement pas terrible. Toi, tu trouves un petit mieux sur le Honda, mais franchement, il est très... Enfin, il est confortable, quoi. Ouais, il est confortable. C'est super souple, c'est super bien. Ouais. Le freinage est très correct, même parfait. Ouais. Comme tu l'as dit, les pneus chinois, au début, je me dis, waouh, ça y est, je vais tomber. Bah, tu t'es dit, je rentrais par les chemins je rentre par les chemins de terre. Ouais. Et en fait, c'est super bien, super stable. Donc, en fait, il y a un truc positif qu'on peut dire, c'est qu'en termes, si tu veux, à la fois de présentation d'ensemble, le Honda est plus léché, le tableau de bord, il est plus complet, il est plus classe. La finition d'ensemble est un petit peu meilleure, donc là il n'y a quand même pas photo. Malgré tout, on est plutôt sur du bon niveau. Tu as même des leviers réglables que tu n'as pas tout sur le Honda, donc malgré tout, ça fait quelque chose d'intéressant. Ouais. En termes de dynamique, c'est-à-dire châssis, freinage, confort, feeling de sécurité, c'est pareil. Franchement, c'est très dur de les départager. Et ça montre, si tu veux, que ce Kymco est globalement au niveau des meilleures références de la catégorie. Donc ça, c'est bien. Ouais. Mais là où il... Pour moi, il y a un manque terrible, c'est au niveau de la protection. Ouais. Ça, c'est,
c'est rédhibitoire pour moi. Une bulle comme ça pour un véhicule, même urbain, c'est pas suffisant. Quoi. Mmh. C'est pas suffisant. En rentrant sous la flotte, j'étais trempé avec une combinaison de pluie. J'étais trempé en arrière. Alors c'est peut-être que tu n'avais pas une bonne combinaison de pluie, parce que normalement. Ça... Ouais, non, mais oui, mais d'habitude, je roule en combinaison de pluie. Je suis sur ma superbe Deauville. J'arrive, je suis sec. Ouais, c'est vrai. Et là, j'arrive, je suis mouillé. T'es pas mouillé par l'émotion de rouler en Deauville parce que quand même, c'est. Non, j'ai honte, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte tous les jours. Mais bon, quand t'es dessus, tu dis, ouais, tu regardes les autres véhicules, ils sont bien les autres véhicules. Quoi. Non. Petit point sur le moteur. On a deux moteurs modernes, des 125 4 temps, refroidissement liquide, etc. Toute la dernière technologie Euro 5. Un avantage sur le Honda qu'un stop and start. On parlera tout à l'heure de la consommation. Au niveau des perfs, il y a deux chevaux d'écart. Le Honda est à 15, le Kymco est à 13 chevaux. Ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Tu as senti des différences majeures. Il y a une différence qui est importante pour toi, plus que pour moi, c'est la vitesse de pointe. La vitesse de pointe. Alors, le Forza, là, j'ai fait une pointe à 125 compteurs. Ouais. 125 compteurs. Ouais. Et lui, alors c'est vrai qu'il est, on nous l'a donné, il est neuf. Quoi. Ouais. Alors celui-là était quasiment neuf. Il y avait 200 bornes d'écart, ils n'étaient pas méga rodés. J'ai fait 100-104 km/h, un peu poussé dans le dos. Ouais. Alors c'est vrai que je suis venu ce matin avec le matériel. Vu mon gabarit, c'est vrai qu'il était beaucoup plus chargé. Ouais. Mais bon. Alors écoute, moi j'ai pris 115 avec. Ouais. Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, vers 100 km/h, tu es quasiment dans la zone rouge, c'est-à-dire à 8000. Ouais, or, la fiche technique dit que ce moteur moderne allonge jusqu'à 9. Donc, est-ce que c'est juste pour dire si une vitesse de maxi, pas une vitesse de croisière, tu vois, je sais pas. En vitesse de pointe, il y a une petite différence là-dessus. Le Forza est meilleur. Pour ceux qui, comme Fred, effectivement, font des grandes distances autoroutières chaque jour et que tu es toujours en mode un peu pressé, ça fait une petite différence. Si vous faites ça, regardez quand même régulièrement le niveau d'huile parce que les 125, 4 temps, ça a des tout petits quarts d'heure d'huile et à un moment, ça en bouffe et voilà. C'est fait pour, c'est costaud, mais ça se vérifie. Par contre, moi, je trouve que le Kymco est plus vif. Ouais. À l'accélération en ville un petit peu, qu'il est plutôt agréable dans les mi-régimes, qu'il est un peu moins brillant, un peu moins vieux. Enfin, je trouve que l'agrément moteur est meilleur. Mmh. Alors, on est dans la marge, je le trouve un peu meilleur à la réponse. Ouais. Et quand tu roules, il est plus silencieux, il est plus agréable que le Honda. On est encore une fois dans la nuance, mais finalement, moi qui n'ai pas comme toi des grandes distances autoroutières à couvrir, j'ai plutôt une préférence pour le moteur du Kymco. Oui, ça joue à pas grand chose. On est dans la nuance là. On est vraiment dans la. On pinaille un peu. Quoi. Ouais, ouais. C'est notre boulot. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du compteur. C'est vrai qu'au niveau du compteur, bien sûr que le compteur du Forza est super intéressant. Ouais. Il y a presque une bagnole, en fait, tu vois. D'informations. C'est presque une moto, tu as toutes les informations possibles. Là, c'est beaucoup plus minimaliste. Oui. Mais l'avantage, c'est que c'est écrit en gros. Ouais. Alors que pour quelqu'un qui commence le deux roues, je trouve que c'est pas mal. Tu n'as pas cherché les super clair. Il est super clair. Bah ouais, ça a le look Radio Réveil années 80, c'est sûr que c'était lisible, tu vois. Mais en tout cas, non, t'as Radio Réveil, quoi. Les Komodo font un peu moins quali hein, que sur le Kymco, sur l'Honda, mais c'est vrai que sur les infos, t'as l'essentiel, t'as la jauge, t'as le compteur, t'as le régime, t'as tout ce qu'il faut. On parlait tout à l'heure du stop and start, qui est un avantage technologique du Honda, qui a un autre avantage technologique, qui est le contrôle de traction. Ouais. Sur un Scoot 125, est-ce utile? Autre débat, n'empêche que c'est là. Et du coup, en termes de conso, c'est complètement remarquable, c'est-à-dire que Honda est donné officiellement à 2,34 litres. C'est très peu, et c'est même un argument pour ceux qui continuent de dire que le deux roues, notamment le 125, c'est un vrai atout pour la circulation urbaine. En vrai, tu es à 2,5 litres, 2,6 litres, moi c'est ce que je fais dans mon usage, donc un peu de périph, un peu de ville, un peu de bois de Boulogne, etc. Donc c'est très peu. Le Kymco est donné pour. Non, je suis obligé d'y passer pour relever les compteurs. Le Kymco est donné pour un peu plus. Mais en fait, en vrai, tu es à 3 litres. Donc il y a un petit écart, mais ça reste minime. Il y a un peu plus d'essence dans le réservoir du Kymco. Donc finalement, au global, ça se retrouve. En termes d'aspect pratique, on mentionnera la bulle réglable. C'est vachement bien. Le coffre sous la selle est quand même vachement plus grand. Ouais, beaucoup plus grand. Sur le Honda que sur le Kymco. Donc ça, c'est un avantage. Tu peux quand même mettre un casque, des gants, tu fais ta vie quotidienne avec. Hein. Là, par contre, tu pars en vacances. C'est ça la différence. Ouais. Contrairement à ce que j'avais eu la dernière fois, c'est vrai que là le coffre, il est correct. Mmh. Il est vraiment correct. Quoi. Ils ont tous les deux. Des démarrages sans clé, donc ça c'est toujours utile, t'as pas trop à t'embêter, surtout quand il fait froid avec les clés, machin, tout ça. Ouais. Niveau tarif, on termine, tels qu'ils sont là, il y a 1000 euros d'écart. C'est-à-dire qu'avec le Honda Top Box, Smarty, etc., on a 1000 euros d'écart, on est à un peu plus de 5006 et 4006 là-dessus. Si on retire le Top Box, etc., on passe à 5299. Est-ce que pour toi la différence est justifiée? Non.
Non. Toi, tu restes. Moi, je resterai. Toi, tu bouffes des pâtes un mois de plus et tu vas sur le Honda. Je bouffe des pâtes deux mois de plus. Deux mois de plus et je reste là-dessus. Ouais. L'avantage, moi, je vois tout de suite, c'est la bulle. Ouais. La bulle, c'est pour moi, c'est essentiel pour un scooter. Et c'est surtout les rétros. Ouais. Là, tu vois derrière. Quoi. Ouais. Tu vois derrière, tu es en sécurité. Ouais. Mais dans Mad Max, est-ce qu'à un moment, Mel Gibson, il dit pas moi, mon destin, c'est devant, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Désolé, c'était nul. Donc toi, tu moi, vas sur le Honda. Moi, je prends le Forza. Quoi. Écoute, vu l'écart de prix, moi, sincèrement, le Honda, tu sais ce que tu achètes, c'est une référence, c'est parfaitement équilibré partout. Deux petits défauts, hein, quand même, le coffre sous la selle, bah, il n'est pas éclairé, donc ça, c'est un peu chiant. Ouais. Et puis le deuxième défaut, c'est les rétros qui, pour moi, sont toujours un petit peu pas assez larges. Mais voilà. Vu l'écart de prix, moi qui fais qu'un usage urbain et un poil périurbain, c'est-à-dire du périph en théorie limité à 70, là où les perfs du moteur sont suffisantes, là où j'aime bien l'agilité. En fait, il y a un truc qui est important, c'est que ces trucs-là, tu es à 161 kg sur le Honda, tu es à 176 kg sur le Kymco. Souviens-toi, dans notre jeunesse, Fred, tu sais l'époque où tu avais des cheveux, tu jouais du hard rock, c'était le poids d'une 600. Exactement. Tu vois, c'était même plus Exactement. Que ça. Et c'est quand même un peu délirant d'avoir ce poids-là sur des 125. Et malgré tout, je trouve que le sentiment d'agilité du Kymco, il est réel, alors que c'est le plus lourd. Il est vif, il est sécurisant. Il est bien, il y a une bonne réponse à l'accélération, il a une bonne petite gueule bien dans l'air du temps. Moi je ferai des tournois d'or au Cini pendant que toi tu bouffes des pâtes et je resterai là-dessus. Ben voilà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Est-ce qu'on sera jamais d'accord un jour sur les engins qu'on essaye? C'est vrai, ça commence à. Hein, ça commence à faire beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Kymco, nouveau DTX 125, un scooter qui vaut le coup. On sait, il protège pas assez, ça se voit sur sa gueule, c'est écrit comme ça. N'empêche qu'il a plein de qualités. Si vous voulez une référence, il y a Fred Brodziak, la référence du tournage, du montage, qu'on retrouve tous les jours ou un jour sur deux sur la chaîne YouTube de Motomag. Fred, prudence, bisous sur le casque. Merci. Et à très bientôt.